Alors, Benjamin, donc vous voulez faire un feu de joie avec nos soutifs Écoutez, concrètement, ne plus porter de soutien-gorge, s'en affranchir, c'est ce qu'ont fait de nombreuses femmes et de jeunes femmes pendant le confinement, habitude qu'elles ont décidé de garder après, par souci de confort, on va en parler, ou de conviction, on va tout comprendre grâce à vous, Gala Avanzi. Bonjour. Mmh. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, fondatrice du podcast Entre nous, militante féministe en général et de ce que l'on appelle le No Bra en particulier. Vous publiez d'ailleurs aujourd'hui même ce livre No Bra, c'est chez Flammarion. Qu'est-ce que le mouvement No Bra dont on parle de plus en plus et qui a de plus en plus d'adeptes Alors le No Bra, c'est tout simplement le fait de ne pas porter de soutien-gorge, en fait. Voilà. D'accord, pas... c'est aussi, aussi simple que ça. Et donc, pourquoi ce mouvement prend de l'ampleur Il y a une question de confort, c'est une chose, et une question de conviction féministe. Qu'est-ce que ça apporte de ne pas porter de, de soutien-gorge En fait, le fait de ne pas porter de soutien-gorge, ça permet de s'émanciper des dictats de beauté et, euh, et de, de s'émanciper aussi de l'hypersexualisation euh, de, de la poitrine. Donc, euh, c'est un geste militant à part entière. Qui Pour participe les... à, la, à la bataille de l'intime, c'est-à-dire, c'est votre corps, on fait ce qu'on veut, en gros, si on veut... Exactement. Les, les seins, euh... En fait, ça permet de reprendre le contrôle sur son corps, mm -hmm. et euh, je pense que c'est le plus important. Euh, des injonctions qui viennent des hommes, essentiellement, sur le... De tout le monde, enfin, de la société en général, des pubs, de la, des séries, des, mm -hmm. des jeux vidéo, de, voilà, de la société en général. Et alors, où est-ce qu'on va placer la, fron la frontière entre, d'un côté, se moquer des injonctions qui vont venir de la pub, des hommes aussi, du patriarcat, de tout ça, et d'un autre, la volonté de continuer de vouloir séduire d'être belle et si on se trouve plus belle avec un soutien-gorge de le mettre la frontière est compliquée à trouver ou non pas, pas du tout en fait le but, euh, le but du no bra euh, selon moi c'est pas de, 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 de porter une nouvelle injonction aux femmes en fait ce pas le but de leur dire de ne pas porter de soutien-gorge en fait pour moi ce qui est très très important, c'est de leur donner le choix de, de faire absolument ce qu'elles veulent. Donc, si elles veulent porter un soutien gorge, parce que c'est, elles préfèrent et, euh, et elles veulent séduire, effectivement. Enfin voilà, il y a aucun souci. Parce que c'est p... plus confortable aussi pour certaines. Mais bien sûr en fait, <laughs> voilà. Il y a et, Yasmine, <laughs> Yasmine qui parle pour elle. C'est plus facile avec un 80A. <laughs> Alors le avec un 80, ça joue quand même. Mais bien sûr. Euh, et euh, clairement, on est toutes différentes et euh, c'est pour ça que c'est très important de ne pas généraliser et vraiment de encore une. Fois de donner le choix. De donner le choix, choix et, le et de notamment décider. de dire à nos filles, à nos adolescentes, tu feras comme tu veux. Là où on voit que le débat est encore compliqué, c'est que vous, vous posez régulièrement des photos de vous sur Instagram, plus ou moins en nos bras, de dos, etc. Ça suggère. Et souvent, vos photos sont... Censuré par Instagram, ouais. alors que n'importe quelle photo de femme sur une publicité à moitié à poil n'est pas censurée. Donc il y a le corps de la femme, quand il s'agit de conviction ou de militantisme, ça fait encore euh, polémique. Ah bah tout à fait, oui, il, euh, ça dérange. Ça dérange quand on cherche à s'émanciper euh, des, des dictats. Et, euh, et oui, effectivement, je suis euh, euh, très souvent censurée, régulièrement censurée. Ça dérange les hommes et les femmes Ouais, pff, un, peu, un peu tout le monde, oui. Ouais. Oui. Bon, cela dit, vous avez eu la meilleure des réponses. On va regarder avec ce post que vous avez publié pour Instagram, euh, qui parlera au plus grand nombre. Voilà. <laughs> merci beaucoup, Gala Avanzi, Votre livre s'appelle Nos vous. bras. Ça sort aujourd'hui chez Flammarion. On en reparlera bientôt dans le podcast des Maternelles. Merci, merci Gala. Merci, Benjamin.